Maintenant, nous allons parler du commando. Donc, au final, j'ai décidé de couper ces vidéos parce que déjà, elle faisait 15 minutes la première. Je sais que les gens ne peuvent pas regarder trop des vidéos de 30 minutes. Donc, maintenant, nous allons parler du commando. Donc, je vais parler, comme d'habitude, comme ce que j'ai fait avec le Colosse. Donc, des nouveaux équipements, des armes. Est-ce qu'il y a des armes utiles et tout ça? Les problèmes? Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent le commando par rapport à son évolution avec les nouveaux objets et tout ça? Donc, je vais parler de ça. Alors. Comparé au Colosse, le commando est moins résistant, le commando est toujours moins résistant évidemment, mais il est un des plus puissants niveau DPS et sûrement, alors si on compte pas le coup de bouclier dévastateur de mon Colosse par exemple, hein, 680k etc, je dirais que le commando est le meilleur donc en mono cible. Et j'ai fait des gros combos, j'ai fait même un combo à 450k je crois, un truc comme ça, ou 475k je le montrerai en vidéo, j'espère que je trouverai le moment, sinon j'ai un screenshot, je le montrerai au final. Mais voilà, donc les combos sont énormissimes avec le commando. Encore une fois, par contre, les combos bien sûr sont mono-cibles, hein, comparé au Colosse, donc c'est, on va dire que c'est moins surprenant, mais les combos sont dévastateurs, c'est que vous pouvez complètement one-shot des brutes, vous pouvez one-shot beaucoup de choses, des Valkyries, des trucs comme ça, vraiment très 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 puissant. Après par rapport à son ulti a bien évolué, vous pouvez, avec le E-Level maintenant, vous pouvez facilement, sans trop forcer, sans se buffer, sans rien, vous pouvez avoir dans les 180, 160, on va dire, allez, on va prendre une échelle un peu plus basse. Sans vous buffer, je parle, sans être trop optimisé non plus, vous pouvez avoir facilement entre 150k et 200k le missile, voilà, assez régulièrement. Si vous passez au-dessus des 100k, de toute façon, c'est quand même déjà très bien, hein, l'ulti. Donc voilà, le mien, il fait dans les deux fois, dans les 200k. Le missile, en fait, varie, c'est un peu ça qui est embêtant, comparé par exemple à un Colosse. C'est que les missiles varient énormément par rapport à la surface dont ils touchent. Donc si c'est un endroit sensible d'un boss, vous allez faire énormément plus de dégâts, alors que, bon, si vous tirez tout dans le pied, bah du coup, y a beaucoup de dégâts, en fait, vont être perdus. Donc ça, c'est un peu le problème de l'ulti du commando, mais sur du mono cible, il est quand même très 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 puissant et très très utile. Donc maintenant nous allons parler des nouveaux équipements. Ouais, on va parler après des armes, je pense. On va parler d'abord équipement, tout ce qui est équipement. Alors le commando a eu une chose un peu étrange, c'est qu'il a une deuxième grenade de glace qui fait exactement la même chose, c'est qu'elle gèle. La première grenade de glace, l'ancienne, en fait donnait un bonus de mêlée. Alors personnellement, moi, mon commando n'est pas un mêlée, et du coup, bah, le bonus de mêlée, bah, je m'en tape complètement. Et du coup, cette nouvelle grenade est vachement bien. Alors la description, je me rappelle plus trop de la description, mais la description n'est pas vraiment juste. En fait, pour ça fait une explosion de glace sur les cibles et tout ça. En fait, c'est pas vraiment vrai. Il faut d'abord tuer. Et en fait, il faut tuer la personne qui est gelée. Et après, là, ça va faire cette explosion de glace. Donc voilà, il faut faire ça. Et ça, c'est utile, par contre. Ça, c'est utile. Alors après, évidemment, c'est du E-level en plus. Donc on passe de 80 à 75. Donc c'est, oui, c'est utile. Tout ce qui touche à E-level plus élevé, c'est utile. Mais c'est vrai que pour moi, cette grenade est beaucoup plus intéressante que l'ancienne. Encore une fois, parce que le mêlée, je m'en tape. Donc du coup, vraiment content de cette grenade. Et bah voilà, essayez de l'avoir pas avec des dégâts en plus, parce que personnellement j'ai eu plusieurs exemplaires avec des dégâts en plus, j'étais vraiment très très heureux, je l'ai même tweeté à BioWare, de toute façon ils s'en foutent honnêtement. Mais j'ai eu après une deuxième avec 100% ou 200% de charge en plus, et ça par contre j'ai été assez content, donc voilà, donc très très bonne grenade. Après, alors le deuxième c'est un laser qui ricoche. Alors encore une fois, la description elle est pas vraiment très nette. Alors le laser en fait va ricocher sur les cibles jusqu'à 3 fois, et le laser en fait peut ricocher aussi sur la même cible, c'est à dire qu'il va toucher la cible en premier, et après il va aller sur un mur, et après il va revenir sur la même cible. Donc en théorie, et je vais même le montrer en vidéo parce que je le fais quasiment souvent, quasiment tout le temps même, c'est que si vous mettez deux debuffs sur la même cible et que vous tirez ce laser, et ben vous avez de grandes chances en fait que le laser revienne et fasse deux combos d'affilée. Oui, c'est complètement pété et absurde, c'est plutôt bien. Par contre, il y a un mauvais côté. C'est que avant, pour le commando, pour faire ça, pour faire genre debuff, combo, etc., vous utilisiez la roquette qui avait été
changé maintenant, c'est que quand vous faisiez un combo, la roquette, en fait, vous gagnez 100% de charge. Donc, vous pouviez tirer votre roquette à répétition tant que vous faisiez des combos. Honnêtement, c'est le meilleur équipement du commando. Hein. C'est le meilleur équipement du commando. La roquette qui déclenche des combos très facilement et qui revient constamment. Donc, vous n'avez même pas besoin de charge en plus. Donc, déjà, ça, vous en foutez complètement. Vous avez même pas besoin de temps de rechargement en plus. Ça aussi, vous en foutez complètement. Et après, les dégâts sur la roquette elle-même, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est le dégât du combo. Donc, honnêtement, avoir cette roquette en légendaire, ben, c'était fini, vous en foutiez en fait complètement des stats aléatoires, vous en foutiez complètement, et c'était ça qui était vraiment bien. Alors par contre, ce laser, donc comme je parle, ce nouveau laser, c'est qu'il met énormément de temps à se recharger. Bon, énormément, c'est peut-être pas, c'est pas encore le même avec le colosse là, encore et encore là, qui met une éternité à se recharger, mais il met du temps. Et le problème, c'est que vous perdez du coup en DPS et vous pouvez pas faire des combos à la chaîne. Le commando, sa puissance, c'est pas ses armes, la puissance, c'est ses combos. Parce que vous pouvez vous soigner, vous pouvez même soigner les autres, vous allez générer bien sûr de l'ulti, etc. Donc ça fait une chaîne en fait tout ça, et votre commando va être extrêmement puissant en spammant les combos et son ulti. Et du coup, c'est ça le problème. Alors moi j'ai eu de la chance, j'avoue que j'ai eu de la chance pour celui-là, j'ai eu je crois 200% de charge, donc j'ai 3 tirs de laser, et j'avoue que grâce à ça, mais c'est seulement grâce à ça, attention, c'est seulement grâce à ça d'avoir des charges en plus que je l'utilise, et vraiment il fait la différence, il est vraiment très 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 puissant. Après si je n'avais pas, avant d'avoir les charges, parce que j'en avais un autre mais j'avais pas les charges, je ne l'utilisais pas. Honnêtement, je ne l'utilisais pas parce que le temps de rechargement était trop long. J'avais pas envie de mettre un consommable en plus parce que sinon j'allais perdre des dégâts et tout ça. Donc c'était chiant. Donc voilà, si vous avez le laser avec des charges en plus, apprenez à l'utiliser. Par contre, encore une fois, c'est un peu chiant parce que la roquette, vous la tirez, elle part. Là, il faut charger. Et des fois, charger en fait des attaques, c'est extrêmement chiant dans le jeu. Parce que des fois, elles partent. Des fois, elles partent pas parce que vous avez pas chargé genre une milliseconde de trop. Et ben voilà, le tir n'est pas parti. C'est un peu chiant. Encore une fois, c'est honnêtement, je le mettrais dans le même cadre que le mortier. Il faut apprendre à jouer avec le mortier en colosse. Et ben là, il faut apprendre à jouer avec le laser à charger avec le commando. C'est exactement la même chose pour moi. Donc voilà, si jamais vous avez le laser avec des charges en plus, apprenez à l'utiliser et vous allez voir qu'il va faire des miracles. Surtout à pouvoir combo sur plusieurs cibles à la fois avec un tir. Et le fait de pouvoir combo deux fois en plus des fois sur la même cible, car le laser revient vraiment, vraiment, vraiment cool. Maintenant, équipement de soutien. Alors, équipement de soutien, j'ai les deux aussi en commando. Alors, le nouveau équipement de soutien en légendaire, 80, celui qui augmente les dégâts, en fait, maintenant... Avant, il a augmenté les dégâts, je crois, des armes. Il faut que je regarde la description, je ne me rappelle plus trop. Je crois que c'était seulement les armes. Honnêtement, ce soutien n'était pas utile. Il était utile pour une seule chose, et je l'avais déjà expliqué dans mon build de commando. C'est pour recharger votre chargeur. Parce que oui, c'est toujours pas écrit dans la description, je sais, mais cette bulle-là, quand vous la déclenchez, va recharger votre chargeur. Voilà, tout simplement. Donc vous avez munitions illimitées avec le commando. Et si des gens viennent dans votre bulle, ça recharge leur chargeur aussi. Maintenant, cette bulle, en plus, avec la version légendaire, vous donne un 20% de dégâts général sur le javelin. Donc, ça marche sur les combos, ça marche sur vos équipements, et ça marche sur votre ulti. Et bien sûr, sur les armes. Voilà. Donc, maintenant, cette bulle est devenue extrêmement, extrêmement utile, parce que vous allez pouvoir la popper, en fait, au moment où vous faites des gros dégâts. Donc, c'est-à-dire, si vous popez l'ulti, bah, vous popez la bulle en premier. Si vous allez faire plusieurs combos, vous voyez que vous avez gelé, par exemple, plusieurs ennemis, bah, vous mettez la bulle, comme ça, vos combos vont être dévastateurs, etc. Donc, ça encore, ça va changer le gameplay. Et si vous avez plusieurs charges, personnellement, moi, j'ai eu de la chance, j'ai 3 charges, je crois, sur cette bulle-là. Et du coup, je vais pouvoir buffer les autres, même quand moi... Bah moi je suis au maximum de mes dégâts, machin, tout ça, tout va bien. Bah je vais, par exemple, si je vois qu'il y a un colosse qui est au corps à corps, bah je vais au corps à corps et je mets ma bulle. Comme ça, bah le colosse récupère aussi le buff et a 20% de dégâts en plus. Donc avoir des charges supplémentaires,
ça va vous permettre de vous buffer vous, bon, quasiment tout le temps. Par contre, attention, hein, la bulle va s'estomper si vous la refaites repopper. Vous pouvez pas avoir, par exemple, 3 bulles en même temps. Ça marche pour tous les équipements de soutien. Vous pouvez pas avoir 3 fois la même chose. Sinon, la première chose, en fait, va disparaître si vous en faites apparaître une deuxième. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Mais du coup, vous pouvez quand même, comme ça, buffer vos coéquipiers. Donc, niveau gameplay, c'est vraiment cool parce que ça vous aide vous, ça vous aide à faire plus de dégâts, ça aide aussi l'équipe et ça aide l'équipe à faire plus de dégâts. Donc vraiment, vraiment, vraiment cool, vraiment top. Maintenant, nous allons parler des armes. Alors, on a un peu un problème. Alors pour moi, en tout cas pour mon commando a un peu le même problème que le colosse. Donc je parle du problème du solvant vert avec les 200% de dégâts de combo en plus sur le colosse. C'est un peu la chose que vous ne pouvez pas enlever. Personnellement, moi mon commando, je le jouais avec le Ralner pour mettre le feu. Et après, en deuxième arme, c'était une arme automatique qui tire rapidement pour générer de l'ulti sur les boss par exemple. Alors pourquoi le Ralner? Tout simplement pour mettre le feu. Je m'en fous des dégâts du Ralner, c'est pas ça qui est important. C'était pour mettre le feu. Pourquoi? Parce que mon commando en fait marchait avec des combos à l'infini sur une même cible. C'est-à-dire que je mets le feu, je fais combo, je mets de la glace avec la grenade, je fais combo. Pour enlever la glace, si jamais il y a encore la glace, eh ben, je remets le feu parce que le feu annule la glace annule le feu, etc. Donc en fait à tourner comme ça, le commando peut faire des combos à l'infini sur une seule cible sans aide de personne. Et c'est ça qui est vachement puissant. Et du coup, ce qui est bien aussi pour l'équipe, je parle, ça peut être... si quelqu'un, par exemple, met du feu, vous mettez de la glace, ça va annuler. Donc, on va dire que le combo va être rafraîchi et les gens vont pouvoir recombo par la suite. Parce que si une personne est toujours en feu et que vous faites un combo, en fait, vous n'allez plus pouvoir créer un combo après si la cible reste en feu. Il faut annuler ce feu-là. Donc, du coup, mon commando était vachement bien pour ça. Donc, toute cette explication pour dire que le Ralner, je ne peux pas vraiment m'en passer. Et c'est ça un peu le problème du commando, de mon commando en tout cas. Alors après, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je n'ai pas toutes les armes en légendaire encore, les nouvelles armes. Et alors je sais que la colère de Jara, l'arme maudite de l'E3, met de l'électricité. Ça c'est pas mal. Alors peut-être que je vais pouvoir utiliser ça à la place du Ralner et un peu interchanger entre électricité acide aussi avec le composant parce que le commando a ça, il peut mettre de l'acide. Et après utiliser la glace. Alors ça va sûrement être moins efficace mais il y a des tests à faire. Mais encore une fois, voilà, je suis pas encore super optimisé avec les armes sur le commando. Mais à première vue... pour moi, mon commando a le même problème du colosse, c'est-à-dire que les nouvelles armes sont pas vraiment utiles. Elles sont vraiment bonnes, surtout pour le e-level. Et du coup, le Ralner, je peux pas vraiment m'en passer. Encore une fois, je ferai des vrais builds une fois que le cataclysme sera passé. Et après, de toute façon, on va tous effacer le jeu parce qu'il n'y aura plus rien. Mais dans tous les cas, je pense que je ferai des vrais builds pour montrer un peu ce que j'ai créé à la fin. Mais pour le moment, voilà, c'est un peu le problème, c'est que le Ralner, c'est très très difficile de m'en passer. Voilà. Après, en dernier, parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de parler, c'était l'arme de corps à corps. Alors l'arme de corps à corps, maintenant on en a deux. On a un starter, donc à la base le commando est un starter en attaque de mêlée. Et maintenant il a un déclencheur. Alors le déclencheur est pas mal. Le déclencheur je l'utilise pas vraiment pour déclencher des combos, c'est pas vraiment ça son but. Alors oui ça aide, par exemple quand je suis au corps à corps, je saute, je tape. Surtout que attention, le corps à corps du commando quand il saute, c'est une AOE. Donc vous pouvez toucher plusieurs cible à la fois, donc si vous mettez une grenade autour de plusieurs personnes, vous gelez plusieurs personnes, vous pouvez sauter et taper avec la masse et du coup ça va faire exploser tout le monde. Vraiment très très bien et très très intéressant. Mais c'est surtout pour une chose, c'est les dégâts en plus, parce que à chaque fois que vous tapez avec la masse, vous avez un 10% de dégâts en plus et qui peut être cumulé jusqu'à 5 fois, donc vous avez un 50% de dégâts en plus. Donc voilà, donc très très utile de faire des combos, tirer pour mettre le feu ou alors la grenade avec la glace, vous faites des combos et tout ça. Et vous tapez un peu de temps en temps en fait pour rafraîchir votre buff et vous essayez de le maintenir à 5
à x5, et du coup vous allez faire des dégâts énormissimes. Vous popez la bulle pour augmenter encore vos dégâts de 20%, etc. Et vous allez créer des combos à 300k plus très facilement, des ultis qui font 200k par missile très facilement, des trucs comme ça. Donc encore une fois, le commando est très 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 haut sur les dégâts, et un des javelins les plus versatiles, les plus utiles et les plus intéressants à jouer, les plus fun à jouer, je pense. Le colosse est très différent à jouer, donc je sais pas si on peut le catégoriser de fun, mais en tout cas le commando est vraiment est toujours au top. Voilà, le commando était nul quand il est sorti, franchement il était vraiment un des pires javelins qui peut exister. Maintenant il est un des meilleurs et il reste un des meilleurs pour le moment. Donc voilà, ça sera tout pour le commando. Désolé pour les armes, mais bon, pour le moment c'est un peu le problème. Le commando est tellement puissant avec les combos, c'est du coup les armes sont pas vraiment utiles. Encore une fois, quand j'en aurai récupéré plus, j'essaierai de faire différents builds. Je vais même essayer de faire différents builds en stream, voir si on peut faire quelque chose avec ça. Mais pour le moment, voilà, c'est exactement la même chose que le colosse.